Ma relation avec la spiritualité. Bon, en fait, d'abord, il y a quand j'étais plus petit, donc on est amené à ça par les plus âgés, donc ma grand-mère qui était toujours à l'église. Donc ma mère, en conséquence, m'a fait passer, faire première communion, ces choses-là. Et donc j'étais présent plutôt parce qu'elles étaient, pas plus que ça, pas pour ma volonté, je les suivais. Et quand j'ai pu décider, je n'étais plus là-dedans. Mais ça m'a resté une certaine croyance qui, en même temps que j'ai mes doutes. Donc, de temps en temps, je ne crois pas du tout, de temps en temps, je le crois. Et après, comme je suis brésilien, au Brésil, il y a cette rencontre de plusieurs cultures et des religions différentes. Et nous, on apprend depuis tout petit à respecter les autres, au moins moi, à respecter l'autre religion, à savoir quelles sont les choses qu'on choisit pour croire. Hein. Dans la religion africaine, on a beaucoup de choses qu'on amène avec nous. Quoi. Moi, j'ai des gris-gris africains, brésiliens, que je l'ai toujours. Je suis allé dans les cérémonies de Umbanda avec mes guitares, pour bénir mes guitares. Donc, en même temps que je crois, je ne les crois pas. C'est comme disent les Argentins, je ne crois pas dans les sorcières, mais qu'elles existent, elles existent. Quoi. Donc, c'est comme ça, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est en même temps que c'est une méfiance, et c'est aussi un besoin de se réconforter. La religion, ça amène un peu de confort. Et ça nous sort aussi de notre responsabilité de temps en temps. On dit non, on laisse ça avec Dieu, ou avec Xangô, n'importe qui, pour que comme ça, eux, ils s'occupent à ta place. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est réconfortant. Donc le Brésilien, en tout cas, il est comme ça. Même s'il peut dire qu'il est catholique, mais il croit en autre chose qui vient d'ailleurs parce que elles sont là, présentes dans notre vie. Moi, je l'ai vu tous les jours, en fait. C'est la création. La création, il n'y a pas une explication rationnelle. Par exemple, je compose beaucoup. Hein. C'est mon métier, le cordonnier ouvre son affaire, moi je prends la guitare, donc lui il fait quelque chose, moi je fais une chanson. Donc, je n'ai jamais cours de chansons pour un album, donc je compose beaucoup. Et l'inspiration, ça, c'est une chose que je ne peux pas expliquer, parce qu'elle vient dans des formes très intéressantes. Par exemple, quand je me trompe, j'ai l'habitude de dire que tout ce que je fais, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon erreur. Donc quand je me trompe, je me dis « Waouh, qu'est-ce que c'est ça ?» Et je vais chercher ce chemin que je ne savais pas qu'elle était. Donc de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un me donne une mélodie, souffle une mélodie ailleurs, qui vient d'ailleurs. Mais c'est peut-être mon subconscient, peut-être ma extrême concentration, parce qu'au moment qu'on est en train de faire de la musique, on est super concentré, avec un but déterminé. Mais trouver la mélodie, ah, ça c'est une chose inexplicable, parce que je ne sais pas comment j'y arrive. J'ai la technique, mais ce n'est pas la technique qui m'étonne. Parce que la technique, je connais le chemin. Mais quand le meu doigt il sort du normal, il fait quelque chose, ça je ne peux pas... C'est pas délibéré, en fait. Ça, je ne sais pas expliquer.